بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بون. Nous allons jeter un coup d'œil sur deux versets du chapitre Al-Baqarah, le cas. Dieu dit كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Donc Dieu il pose cette question là. Pourquoi on renie Dieu? Pourquoi? C'est la grande vérité. Dieu, c'est la grande vérité. Il n'y a aucune autre chose qui a de la valeur absolue autre que Dieu. Jamais, jamais. Dieu même, s'il n'est pas manifeste, il n'apparaît pas à nos organes des sens. Mais il est là. Il est partout. Il ne peut être absent n'importe où, n'importe quel moment. Donc, soyez sûr que Dieu, c'est la vérité. Et tous ceux qui rejettent cette vérité-là sont dans l'aveuglement le plus total. Et puis, ils vont le payer chèrement. Parce que s'il y a quelque chose qui ne peut pas être refusé, c'est que Dieu est Dieu. Allahu Akbar est le plus grand. Le plus grand à tous les niveaux. Dans toutes les perspectives, Dieu est le maître absolu. Il a une présence irréputable. Il a une présence palpable par les gens qui savent raisonner, qui savent recevoir les signaux qui émanent de cette présence divine. Donc, Dieu dit Kayfa takfuruna billah. Donc, vous permettez d'être des renégats, d'être des mécréants, d'être des païens, d'être des injustes, alors que Dieu est votre maître qui va vous rétribuer de tout ce que vous allez faire ou proférer, tout ça, vous êtes responsable. Et vous êtes coupable. La majorité des gens sont coupables. Alors que vous étiez absent, ou bien vous êtes dans un état d'inanimé, c'est-à-dire sans âme. Vous êtes uniquement de l'argile. Tout ça, ce sont des états par lesquels vous êtes passé. Et maintenant, vous reniez Dieu. Qui vous a mis au monde? Qui vous a, permis d'être parmi les existants? C'est Dieu. Sinon, vous ne pouvez rien comprendre. Et vous ne pouvez rien expliquer. Personne ne peut avoir d'arguments plausibles s'il n'a pas accepté que Dieu est Dieu. Donc, le fait d'être dans le déni, c'est très dangereux, c'est pathologique et ça va coûter très cher. Donc, vous êtes tous, dans vos états précédents, des gens sans âme. Et maintenant, vous avez une âme et vous l'avez, lésée. Elle a été détruite par votre rejet. Donc, quand il va dire pour le blé, au compte un moins, un peu rien. Il vous a donné cette âme-là. Donc, c'est un souvenir divin par lequel vous allez comprendre votre existence, votre individualité, votre créateur et tout le reste. C'est-à-dire toutes les créations, vous êtes aptes à les comprendre, à entrer en relation avec tout. Donc, que ce soit dans le monde imaginaire ou dans le monde réel. Quand vous êtes pour vous, billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum. Tout le monde, il est, il va vers sa déchéance et il va être achevé d'une façon ou d'une autre. Il va disparaître. Et vous savez maintenant, les moyens de disparaître et d'achèvement sont multipliés, par exemple, l'euthanasie active et passive, les gens qui sont des quadraplégiques, les gens qui sont paralysés, hémiplégiques, etc. Les gens qui ont des problèmes de praxis, des problèmes de sensorialité, etc.
Ils savent bien qu'ils comment dirais-je, qu'ils se plaignent, qu'ils souffrent beaucoup, et maintenant ils pensent à une mort qu'ils n'ont pas le droit de se la donner. Et tout ça, ça veut dire que la mort, elle est, comment dirais-je, inévitable, et certains changent de, comment dirais-je, de position. Alors, au lieu d'accepter tout ce que Dieu a mis comme destin, ils ont maintenant en état de refuser et de chercher une issue. Il n'y a pas d'issue. La mort, c'est la mort, mais le reste qui compte, c'est l'essentiel. Vous voulez fuir des douleurs terrestres et à quoi ça va aboutir, cet acte de suicide? À rien. Le suicide assisté aussi. Il y a de tout maintenant. Voyez donc, la mort, c'est l'inévitable. Cherchez une bonne sortie de cette vie terrestre, c'est mieux pour vous. Alors que vous faites n'importe quoi maintenant, et sans prendre compte ce qui va vous attendre là-bas. C'est pire, parce que vous n'avez pas été poli envers Dieu. Vous étiez des arrogants, des dévergondés, des agresseurs, des antipathiques. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des méchants envers vous-même. C'est-à-dire, vous êtes dans le masochisme et le sadomasochisme pour les deux sexes. Il y a toujours des rapports qui sont plus ou moins sous tension. Donc, réveillez-vous, vous n'êtes pas dans de bonnes conditions. Changez. Bon, collez votre fille, c'est mieux pour vous tous. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. La résurrection, elle est sûre, comment il est urgent, c'est-à-dire parce que vous allez retourner devant Dieu et être jugé. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوانا سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. On a vu ça, comment Dieu nous a créé tout, il nous a donné un pouvoir sur cette nature-là pour la mieux comment dire, exploiter, pour la mieux diriger dans le bon sens qui va aboutir vers le salut et vers l'existence au paradis.